La vaccination, comme on le sait, elle est vraiment importante. Et ça fait que l'OMS, Afrique, a institué une semaine. Une semaine qu'on a dénommée la semaine africaine de vaccination. Et vous allez voir que quand même pour d'autres activités, c'est une journée. Mais pour la vaccination, c'est toute une semaine qui est dédiée à la vaccination. Donc c'est encore pour montrer l'importance vraiment de la vaccination. Et ici, pour cette semaine, elle devait être célébrée la dernière semaine du mois d'avril. Mais au Togo, on l'a différé et on est en train de la célébrer donc, du 5 donc, au 11 juin. Et au cours de cette semaine, le gouvernement togolais, avec ses partenaires, notamment l'OMS et l'OMS, UNICEF, Gavi et autres, donc on s'est fixé des objectifs. C'est de chercher les enfants zéro dose dans les ménages, on va les chercher pour les rattraper. Et d'où le thème de cette semaine, le grand rattrapage. Niagbo bena evadona yido a misi na bota kaka evadona fidea nyatepea e gambano na miasio e na mi va negliger na abota kudo nyanto mi anyondo chabe vonvon e na mi va gbena mi va tina modi wa egbe o mi va sebe na egbe a ole wo mi ale gratuitement e nyinde do dijo na mi mi be mi a saint amené dole le vivi vo baba vane mi a be vio ku mi anto le protéger mi anto e na mi je mo egbe be mi a chama mi a saint amené mi a wo sere kane dole le so a ngba ba ni dole le ku rere pe pe le mi a be vio ale mi anto mi a be agbe odi olo. Quand on parle de vaccination, le Togo, dans la sous-région, est une référence. Mais avec l'avènement de la COVID-19, on a eu avec les réticences, avec les rumeurs, donc nos couvertures vraiment ont souffert. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont commencé la vaccination et qui n'ont pu continuer. Il y en a même, les mamans, les enfants sont nés, mais on ne les a même pas amenés. C'est ce qu'on appelle les enfants zéro dose. Donc voilà pourquoi on a dit le grand travail, on va aller chercher ces enfants-là qui ne sont pas venus ou bien qui sont venus qui n'ont pas revenus. Et les rattraper, les vacciner pour faire remonter nos couvertures, histoire de faire quoi? Histoire de protéger ces enfants-là contre les maladies évitables donc par la vaccination. Et par rapport aux cibles, les cibles sont celles de la vaccination de routine. La vaccination de routine au Togo couvre les enfants de 0 à 23 mois. 0 à 23 mois. Mais on peut dire maintenant que la vaccination, l'âge est ouvert. Donc si un enfant qui a débordé les 23 mois, qui a raté beaucoup de vaccins, quand il vient aussi, on regarde ce qu'on peut le faire, on le rattrape. Et les femmes enceintes aussi sont récupérées. La femme enceinte aussi doit faire, c'est le vaccin contre le tétanos, diphtérie, qu'on leur fait pour les protéger, la femme et l'enfant, contre le tétanos. Donc voilà les cibles que nous couvrons par rapport à cette semaine. Donc pour vous dire aussi que par rapport à la semaine, on a mis en œuvre des stratégies. Donc d'abord, il y a cette stratégie-là de communication. Donc sensibilisation de la masse donc dans les carrefours. Et on a choisi dans Grand Lomé pour Agouyébé le carrefour rond-point Agouyassié et pour Golfe le rond-point Baguida, monument. Et à part ces grands rond-points, il y a également des émissions télé, radio, et pour pouvoir faire quoi, pouvoir sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination. Et après sensibilisation, là, il y a eu quoi, encore quoi, il y a eu cette activité-là de vaccination mobile, où les équipes avec les vaccins sont en train de suivre les sensibilisateurs dans les marchés, dans les lieux publics, pour récupérer ces enfants. À part ça également, nous avions dans trois communes d'Agouyébé, à savoir la commune d'Agouyébé 1, précisément le quartier Fiovi, dans l'est de Démakoué, et également dans la commune d'Agouyébé 5, spécialement à Zopoumahé, et troisièmement dans l'aire de la commune d'Agouyébé 4, spécialement dans Aoussa Zongo, où les équipes, voyez, habillées, comme vous le voyez, en tricot savent, ont sillonné de ménage en ménage. Ces vaccins sont importants, voilà, parce que ça nous protège contre les maladies. Et quand je prends le BCG qu'on fait à la naissance, ça protège contre la tuberculose. Et si vous voyez, en temps, la tuberculose a tué beaucoup
Mais avec la vaccination aujourd'hui, il y a des cas, mais on n'a plus de décès comme ça, il y a, sauf si la personne n'a pas été observante. Donc je pense que voilà l'importance. Et à part ça, il y a eu d'autres, beaucoup de vaccins. Il y a un vaccin qui protège contre tétanos, diphtérie, coqueluche, hépatite B et une forme de méningite appelée hémophilus influenza B. Donc à part ça également, on vaccine les enfants contre le pneumocoque. Donc pour les protéger contre les infections à pneumococciques. À part ça, il y a le rotavirus, un vaccin qui protège les enfants contre les diarrhées à rotavirus. Voilà. Et également, on fait le vaccin polio. Nous avons le vaccin polio oral et pour protéger les enfants contre quoi? Contre la poliomyélite que vous connaissez bien, qui est une maladie invalidante. Quand ça arrive, c'est que l'enfant est au sol. Donc vous voyez, vous avez vu que depuis des années, on est loin avec, vous avez vu que tout le monde, le Togo a été, avoir éradiqué la poliomyélite. Donc voilà l'importance. Donc quand on vaccine un enfant très bien, donc on fait quoi? On le protège contre toutes les maladies qui sont évitables par la vaccination. Et je vais lancer un message fort à nos parents, à tout le monde, à la population. Vous voyez, chers parents, voyez, avant que votre enfant le fête son deuxième anniversaire, prière, faites un effort et rassurez-vous que l'enfant a terminé sa série vaccinale. Il a commencé et qu'il a fini. Et actuellement, beaucoup ne savent pas. Avant, ça s'arrêtait à 9 mois. Aujourd'hui, on va à 15 mois. Voilà, 23 mois, 15 mois. C'est-à-dire que quand on fait le 9e mois, on donne un rendez-vous de 15 mois. Donc les mamans ne savent pas. Donc ceux qui ont fait les 9 mois qui sont à la maison, prière, revenez au centre de santé le plus proche. Et on vous prend en charge. Et c'est gratuit.